Oui, très content de finir la saison sur une bonne note. On cherchait un peu la forme au fil de la saison. Puis, il y avait une petite fatigue qui s'est installée, mais vraiment, de terminer avec la meilleure performance de l'année pour moi au championnat du monde, c'est rassurant. Ça montre aussi que j'ai comme fini la saison au même point un peu que celle précédente. Ouais, j'ai eu mais, un peu plus de bas que je l'aurais souhaité, disons. Puis, on cherchait un peu la forme, mais je pense justement avec cette performance-là, je montre que j'ai la même forme que j'ai eue les années passées. C'est juste, ouais, ça finit bien. Là. Puis ça donne aussi de la confiance pour la préparation hivernale. Puis j'espère bien revenir pour ma meilleure saison l'année prochaine. J'achève mon bac en éducation physique, j'étudie à l'UQAC. Et actuellement, je suis dans mon stage 4, donc 45 jours en enseignement dans une école secondaire au pavillon Le Bois du Fou, l'école que j'ai été dans mon adolescence. J'enseigne l'éducation physique. Puis là, j'ai des clientèles assez variées. J'ai des groupes en volleyball, la option. J'ai des groupes multisports. Je me suis présenté. Y en a que ça les impressionne. Peut-être aussi, je pense que les élèves sont quand même subtils, mais c'est certain que des fois, pour passer certains messages, bon, je peux prendre un exemple un peu sur moi. Je pense que je suis crédible là-dessus. Surtout, des fois, on a le pavillon de Bois-du-Fou, ils ont des groupes en sport-études. Fait qu'ils visent aussi l'excellence. Fait que je peux en parler un peu de ça. Tu sais, côté social, c'est une excellente école de vie. C'est bon pour la santé. Donc, je pense que moi, c'est vraiment un bon moyen de s'épanouir, le sport. C'est agréable. Je pense que c'est un peu ça aussi, les 100 bécettes, là, aujourd'hui. Là, hein. C'est une super activité, c'est très social. On s'amuse toute la journée. Puis au final, on pédale pendant 5 heures, mais ça passe super vite. Puis on a juste des bons souvenirs. Là. Ça fait plaisir. C'est...